ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les trois premiers du jour. Philippe, Verstappen et Lewis Hamilton. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka, situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce Grand Prix sera mémorable. Restez avec nous.
L'exceptionnel circuit en 8 de Suzuka compte 10 virages à droite et 8 à gauche pour une longueur de 5,8 km. La vitesse y est plutôt élevée puisqu'ici les pilotes atteignent les 220 km/h de moyenne par temps sec. Le moment est venu de voir la composition de la... Les dernières courses ne leur ont pas porté chance, ils n'ont pas réussi à boucler de Grand Prix sans commettre d'erreur et c'est clairement le genre de choses qui pèsent sur le moral. La confiance est un paramètre important, c'est certain. Quand on se retrouve dans un accident, la voiture subit des dégâts, mais la confiance en prend aussi un coup. Cela dit, les pilotes d'élite sont capables de faire abstraction et de se concentrer sur la course. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui ? Quelle stratégie s'avérera gagnante ? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. Autorisé dans ce tour, on peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement.
tu laisses de la place aux autres voitures. On ne peut pas se permettre de prendre autant de pénalités. Approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums.
va sûrement pleuvoir. Une averse se prépare dans une quinzaine de minutes. À la fin de ce tour, rentre au stand à la fin de ce tour. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes.
que c'est au stand. We'll be right back.
La pluie est à prévoir dans une dizaine de minutes. Pluie dans 10 minutes. Il reste à peu près 5 tours de carburant.
reste à peu près 3 tours de carburant. Attention, n'oublie pas que vous êtes dans la même équipe. Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité cette victoire. Et nous quittons le fameux circuit en 8 de Suzuka sur une victoire exceptionnelle. Dites-moi, Jacques, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Voici le vainqueur du Grand Prix et ses deux dauphins qui rejoignent le podium. Ces trois-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Philippe renforce sa place de leader au championnat. Eh bien Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour ? Pour moi c'est Philippe. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés.
Nos frais de fonctionnement sont bien inférieurs à nos entrées d'argent. Je propose qu'on établisse un plan d'action pour déterminer où injecter tout ce cash. Salut, chef. Il faudrait penser à organiser les activités de l'écurie. Ça nous permettra de mieux gérer notre temps. Consulte l'écran Activités pour voir les options qu'on a. Merci d'être intervenu et d'avoir aidé à la résolution du problème.